Est-ce que un chrétien capable porter des armes pour le défendre tête lui? Eh bien, c'est de ça nous allons parler aujourd'hui. N'a faut connait que rubrique ça relé question tabou. Question tabou, c'est une question que ou pas facile ouyo débattre sous lit dans l'église, dans une étude, dans un message, ou pas facile ouyo parler de lui. Mais pourtant, c'est des bagages qui là dans société a, yo là c'est une question qui est vraiment importante. Des bagages que nous t'avons reconnaît, nous juste capable dire non, nous fini, nous capable dire oui, nous fini, mais nous pas gagner des arguments, nous pas gagner ça que la Bible dit à propos de ça. Eh bien, c'est ça me pote. Li rele, rubrique ça rele, question tabou. D'abord, qui ça qui yon zam? On garde sin capable yon définition tout court. Yon zam, c'est un instrument ou du moins un dispositif qui l'a pour attaquer ou du moins pour défendre nous. Il l'a tout pour le tuer, pour le blesser et un animal, un ennemi ou, et gen am tout que nous les am blanche. Am blanche là, on capable prendre exemple tant que couteau, épée, tout ça ou ces armes. En entrée droite dans sujet, est-ce que un chrétien capable porter des armes? La fois qu'on est que du fait de la banalisation de violence que nous ouais dans monde là, la Bible même lui dit nous devons chercher la paix. Et question si un chrétien capable porter des armes, lui fait l'objet de une question de un nombre d'accueil de débat. Nous sont question que nous ce qu'a fait débat sur nous qu'a fait débat sur question ça. Mais en nous voit qui ça la Bible dit et en nous voit quelques versets qui a aidé nous plus bien comprendre comment nous capables répondre avec question ça et s'il capable dit nous tout dans mode na vivre je ne veux dire. Par exemple apôtre yo te porté zam dans la nuit jour yo t'a pas trahi Jésus a il était mandé pour disciples pour tes âmes et t'es gagné deux disciples qui t'ai confirmé que yo pote que yo jeune âme en fait que yo pote épée et Jésus t'a dit que cela suffisait. C'est ça que nous lit dans Luc 22 verset 37 à 39 et puis tout dans le moment que yo t'es venu arrêter Jésus a pas oublié. Et nous connaissons l'histoire ça très bien. Côté Pierre, il était coupé les oreilles en soldat. Nous jouons ça dans Jean 18, verset 10. Mais Jésus t'a guéri les oreilles là instantanément. Nous jouons ça dans Luc 22, verset 51. Et il t'a ordonné à Pierre pour lui mettre épée dans la foule. C'est ça que nous lisons dans Jean 18, verset 11. Une bagarre pour noter, c'est que c'est vrai que l'été blâmé Pierre, le fait que l'été coupé les oreilles soldat, mais l'y pas blâmé Pierre, le fait que l'été poté Zamna, le fait que l'été poté Pierre, mais l'été blâmé le fait que l'été mal utilisé. Moi, je veux que nous notions ça. T'as eu l'autre occasion encore, côté que c'est qu'il y a quelques soldats qui étaient venus baptisés par Jean-Baptiste. Soldats ont demandé Jean-Baptiste qui ça a dû faire pour qu'a fait bon Dieu plaisir. Jean-Baptiste répondit ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. C'est ça que nous lisons dans Luc 3 verset 14. Li pas dio déposer zam quitter zam pas utiliser zam encore. Nous t'es capable prendre l'autre exemple encore. Nous gagnons David qui t'a loué bon Dieu dans Psaume 144 verset 1 qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Dans l'Ancien Testament, gain plusieurs l'autre verset côté que nous ouais te gen homme de Dieu qui te possède des âmes et yo te servi avec le plus souvent bien sûr en temps de guerre. Faut nous dire ça tout. Bible a pas interdit un chrétien pour porter des âmes.
Men gen kelke prinsip a pren an kont. Dabor, yon kretien aple a et atizan de pe. Mwen vle pale de pe, P-A-I-X. Se sa ke nou li nan Matye 5, le verset 9. Yon kretien ki envizaje pou l'achete yon zam, ou kon sa l'de fe, li dwe priye. E mande bon Dieu, si zam sa ke l'ap achete ya, l'ap kontribye avec la paix, nous voulons parler de paix, P-A-I-X. Yon chrétien pas capable de posséder yon zam dans l'intention pour glorifier bon Dieu. Nous capable de lire 1 Corinthiens 10, verset 23 pour nous comprendre ce que je veux dire. Mais néanmoins, si yon chrétien veut acheter yon zam, il doit examiner la motivation qu'il gagne pour acheter zam ça spécifique. Peut-être que ou même k'ap gade vidéo ça là, ou ap di nan kèw, le fait que yon chrétien pote zam, est-ce que ça pa vle di que li manke gen confiance nan bon Dieu? Et ou capable pran verset ça pour kore ça ou di, 2 Corinthiens 10 verset 4, car les âmes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Effectivement que zam nous même chrétiens nous gagnons, c'est pas zam que les hommes capables faire. Ils sont zam qui puissants et ils sont épées à double tranchant. Exactement, c'est ça. Mais il pas dit tout que nous pas doué pour tes âmes. Les ou habiter dans un caï et puis ou avant dormir ou assurer que toute porte fermée, barrière fermée. Ça pas veut dire que ou pas faire bon Dieu confiance l'on fait ça. Là ou gagne une machine et puis pour assurer que pour machine là côté li al bien positionné soit faut li en dans parking pour voler du moins pour moun pas venir casser machine là, ça pas veut dire que ou pas faire bon Dieu confiance. Ça veut nous connaître c'est que nous pas de prendre un verset, un grand verset pour nous faire tout notre doctrine. Et on parle à tout pour me dire que oui yon chrétien capote zam et non yon chrétien pas capote zam. Gen moun ki te capable di que bon Dieu dit pas tuer. Oui, bon Dieu dit pas tuer, mais pas gon côté dans Bible la tout qui dit que bon Dieu dit pour quitter moun tuer gratuitement sans qu'on pas défend nous. Pour me finir, ça que me veut nous connait d'après tout passage que nous sot li dans Bible là, pas gen une base solide pour interdit ou pas interdit yon moun ki chrétien pour tes âmes. Ça qui est important, nous devons fier nous devons prêter très attention dans gens n'a utiliser les âmes moun ki choisi utiliser les âmes et puis ou même tout ou gen libre arbitre pour pas utiliser le tout. Nous pas venir là pour nous faire vidéo ça pour nous faire connait que en tant que chrétien on capable c'est pas objectif vidéo ça. Moi, je voulais ça clair dans tête.